Bonjour frère soeur. Vraiment, ce cas, cette histoire, vraiment, on n'arrive plus à comprendre. Hein? Un homme est mort dans une chambre d'hôtel. Et cet homme, c'est un homme important dans le pays, un homme important pour son entreprise, ainsi que sa famille. Le principal suspect est cette fille qui est ici, c'est la même que vous trouvez là-bas. Aujourd'hui, voici à quoi elle ressemble. Et les gens veulent savoir la vérité sur tout ce qui s'est passé. Ils s'attendent à ce que la fille leur révèle tout ce qui s'est passé ce jour-là et ce qu'elle a fait. Parce que pour eux, c'est la fille qui a tué le monsieur. Parce qu'il a été retrouvé mort. Il était même attaché. Mais la fille qui a tué le muladet a encore changé de version. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, elle va apparaître ici où vous allez voir ce que je vous ai dit comme un bref résumé de cette histoire. Et de ce que je viens d'apprendre, c'est que elle a changé vraiment carrément de version. Là maintenant, elle dit que elle n'a pas tué le gars. Hein? Sérieux? Maintenant, elle dit que elle n'a pas tué le monsieur. Elle dit que, en fait, cet homme l'avait envoyé acheter de la drogue. Oui. Et elle, quand elle y est partie, que elle revenait maintenant à l'hôtel. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle-même a été surprise de voir le monsieur mort dans la chambre. Oui. Ça là, cette nouvelle version, ça n'a carrément rien à voir avec ce qu'on sait déjà. Maintenant qu'elle a retrouvé le monsieur mort dans la chambre d'hôtel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire que son erreur a été de se diriger vers ces quatre banquets. Bon, ces quatre banquets, et c'est une chose pour partir. Et cela, nous, on a découvert que elle a fait plusieurs retraits sur ses comptes. Vous avez vu ça, non? Et elle nous dit même que si elle a dit tout ce qu'elle a dit précédemment, du genre, c'est moi qui tue le milliardaire. Si elle l'a fait, c'est juste par pression. Juste à cause de tout ce que les gens racontent déjà sur les réseaux sociaux et comment les gens sont en train de dire des trucs. Donc, elle a juste fait, juste parce qu'elle était sous pression. Selon la réelle histoire, c'est qu'elle n'a pas tué le gars. Hein? Moi, je ne comprends plus rien. Toi, tu nous dis que c'est dans une bagarre. Ça a mal tourné et tu as poignardé le monsieur. Encore toi, encore tu nous dis que c'est parce que tu avais besoin d'argent que tu as taché le monsieur et tu l'as poignardé à maintes reprises parce qu'il refusait d'obtempérer. Et encore la même personne vient de nous dire encore, cette fois, c'est-à-dire de sa dernière sortie là tout de suite aujourd'hui, elle nous dit clairement que elle n'a rien à voir avec sa mort et qu'elle avait trouvé le monsieur mort dans l'hôtel déjà. Elle, l'erreur qu'elle a faite, c'est de prendre ses quatre banquets et aller faire des retraits parce qu'elle avait besoin d'argent en ce moment. Je dis, qui devons nous croire maintenant? Qui devons nous croire? Un homme est mort, on cherche à savoir la vérité, on mène des enquêtes. Et la fille en question change de version, elle ne fait que changer de version chaque jour. On donne une nouvelle et après qu'il y a un autre suspect, un homme, un autre suspect, qui aurait été arrêté. Ça pour dire que il y a quelque chose de louche qui se trouve derrière, qu'il y a des complices.
La fille, elle a seulement 21 ans. Le monsieur, 49 ans, il devait fêter sa fête d'année, son 50e anniversaire. Et le tram est arrivé. Maintenant qu'il est mort, regardez ce qui se passe. Il était marié avec des enfants apparemment. Selon ce que la fille a dit, elle a dit que le monsieur et sa femme n'étaient pas en bon terme. Et voilà. Maintenant, elle ne fait que parler de drogue. Elle dit que le monsieur l'avait envoyé acheter de la drogue. Et que les deux souvent prenaient de la drogue aussi. Ah! Les hommes riches. Ah! Les hommes puissants. Ah! Les gens qui ont le pouvoir d'achat. Vous aussi, vous prenez de la drogue? Vraiment, se pose-t-il des questions. Les gens vont être milliardaires, multimilliardaires, sans savoir qu'il y a des milliardaires qui souffrent. Il y a des milliardaires qui ne sont pas bien dans leur peau. Qui sont obligés de prendre des choses pas possibles pour se sentir bien. Et de sortir aussi avec la petite fille pour essayer de changer d'air. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Elle, seulement à 21 ans, une étudiante en master en communication de masse qui se retrouve juste dans des histoires de meurtre. Et ça se passe, ça s'est passé, et ça se passe au Nigeria. Hein? Moi, quand je regarde ça, je me dis vraiment, si la fille n'est pas possédée, ça va m'étonner. Si la fille n'est pas possédée, non, ça va m'étonner. Parce que ce jeu-là, c'est un jeu très utilisé aussi par les sorciers. Très, très utilisé aussi par les gens qui sont possédés. En tout cas, elle est dans les deux cas. Hein? Elle est dans les deux cas. Et pour certaines personnes, j'en pense que on devrait plutôt secouer la fille pour qu'elle puisse cracher le morceau. Mais au lieu de chercher à secouer la fille, qu'est-ce que les gens doivent chercher à faire? Faut chercher plutôt les preuves. Sans preuve, c'est un peu difficile de pouvoir faire quelque chose. Maintenant, qu'en est-il des sorciers? Est-ce que les sorciers savent ce qui s'est réellement passé dans cette chambre d'hôtel? Bien sûr que oui, les esprits savent ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel. Et certains sont au courant déjà. Maintenant, quand je regarde la situation, moi, ça m'amène à me poser la question de savoir, mais est-ce que le monsieur est réellement mort? Est-ce que c'est commenté que les gens ont fait juste pour faire parler les gens? Juste pour faire connaître le monsieur. Ça aussi, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce monde est vraiment un monde terrible. Chaque jour, on fait quand on parle de mort. Vous, vraiment, ne donnez pas d'occasion au diable de vous atteindre. Les occasions les plus utilisées par le diable aujourd'hui, là. Ce sont les occasions où des hommes ou des femmes mariées se retrouvent avec des petits gars dehors. Ça, là, problème. Il y a trop d'autres problèmes en rapport avec tout ce qui est sexe, plaisir de la chair. En tout cas, ça, là, il y en a vraiment beaucoup. Il faut s'en méfier. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Et par rapport aux versions de la fille, est-ce que vous pensez que cette fille qui est là peut tuer quelqu'un? En tout cas, ne vous fiez pas aux apparences.